Et c'est un projet, on Mmh. sait même pas par où le commencer parce que c'est tellement dingue, rien que d'imaginer ça. Que... Je sais même pas pourquoi on a parlé du projet aujourd'hui, quand même, tu vois. Ça... truc, je m'en fous, je sais pas s'ils ont l'autorisation ou nous de le faire, ça ne m'inquiète pas, on n'est pas dans une logique de concurrence. Mais on va pas vendre la peau du raton avant de l'avoir tué. On espère en tout cas de vous préparer une grosse Du surprise, lourd. peut-être la plus grosse qu'on pourra jamais vous proposer, peut-être même le projet le plus ouf aussi. Je Je pense pourrais pas faire mieux. Même moi, je que... pourrais jamais faire mieux. Hein, vraiment, là, Pour si on arrivait à l'instant... faire ce qu'on compte faire, ce serait incroyable. Pour l'instant, on est dans les préparatifs. Voilà. On vous en dira plus avec le temps. Mais si jamais ce qu'on a eu en tête, ça se réalise. Sais que j'ai envie de spoil, mais j'imagine non, parce que pour le moment, il n'y a Non, pas de non, non, confirmation. non, C'est non. En pas. tout cas, c'est un projet qui coûte. Je pourrais même pas vous le chiffrer. Moi Si aussi. jamais on le réalise, je peux vous garantir que, en tout cas, en France, vous verrez ça nulle part. Ça s'est pas encore Bah. fait. Et ça, je ne. Bah, peut-être que ça se fera dans l'avenir, j'espère pour les autres, mais si ça doit arriver, ce sera pour la fin d'année. C'est tout ce qu'on peut vous dire actuellement. Pour l'instant, on est en négociation avec plusieurs personnes. Mais faut Ouais, mieux qu'on pas. s'arrête là parce que là, on commence à hyper les gens, on commence à partir. Sachez quelque chose, c'est que nous, on a toujours beaucoup de projets, on n'en parle pas. Parce que déjà, si ça se fait pas, tu parais pas très bien. Mais on est toujours en train d'imaginer beaucoup de choses. Et là, je pense qu'on peut pas aller au-dessus de ce qu'on a en tête. La barre est très haute et je me demande si elle est même pas peut-être un peu trop haute pour nous. Vous allez dans l'ISS. Comment? Pourquoi les deux en même temps ils ont dit pareil? Stop. Chacun a son Vous allez. projet fou. Astronogeek Arnaud, lui, c'est d'aller avec Blue Origin 5 minutes dans l'espace. Nous, on a d'autres projets qui sont dans le même thème. Enfin, non, j'ai pas dit qu'on va partir quelque part. Enfin, si, on va partir quelque part. Où, ça, c'est encore la Stop, question. stop, 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 c'est bon, arrête, t'es en train de triper là. Stop, stop, stop. C'est même pas, on va vous tenir informé dès qu'on aura des confirmations, parce que le but c'est qu'on Le vous... jour J, vous le saurez. Oh, je pense que les gens le sauront avant le jour J, quoi, si on n'est pas trop... Si on est un peu malin, je pense que... Mais en tout cas, on communiquera quand on sera sûr que ça se fera. Là d'ailleurs, je pense qu'on en a déjà trop dit, quand même. Ce que je peux vous dire, c'est au plus court, ça sera dernier trimestre 2022. Regardez Astronogeek qui compte partir avec Blue Origin. S'il a une place, au plus vite, ça se fera pas avant... 1 an, 2 ans. Pour le moment, on attend la réponse de quelqu'un. En fait, si vous voulez, on a demandé pour faire quelque chose, tu vois. Et en gros, la personne pour ce quelque chose doit nous répondre. Il n'était pas disponible ce week-end. J'aurai sûrement une Voilà, en réponse fait, c'est le demain. week-end et tout. Les gars, vous êtes tellement loin de la vraie réponse. Oh non, vous êtes trop loin. Je vous dis, Je il vous n'y a dis juste personne qui une a. chose, ça ne s'est jamais... Ouais, ça ne s'est pas encore fait dans le YouTube français. Non, tout ce que je peux Non, vous dire mais. actuellement, c'est que ça coûte 3 bras, une jambe et peut-être la tête. Et que ça s'est pas encore fait, en tout cas en France. Je sais que Marco en avait parlé, mais je Non, sais pas si c'est. Thomas, c'est déjà prévu que je... Non, on n'est pas du tout sûr. Non, ça va au-delà de ça. Ça va vraiment au-delà de ça. Vous savez, pour que je dise que c'est quelque chose qui est... comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas à notre portée. Pour que je dise ça, c'est vraiment qu'on part haut. Valence de Roger. Non, c'est vraiment. En vrai, c'est. Le truc, c'est que Non. j'ai pas envie d'aller faire le truc. Non, Je non, vous tu dis donne rien. ce Tu dis dernier rien. indice. C'est le dernier indice. C'est qu'une fois dans une vie. C'est tout, j'irai pas plus loin, hein, j'irai pas. C'est qu'une Et fois dans une encore, vie, et encore. c'est qu'une fois dans une vie. Là, je sais pas, on est combien sur le chat? On On est 12. est. Si on prend les 12 personnes, même si ça arrive une fois dans une vie, ça peut même pas arriver aux 12 personnes. Faut tellement avoir les planètes alignées au même moment pour faire un truc comme ça que... Tout ce que je Bref, peux vous merci. dire, tout ce que je peux vous dire, voilà, on va simplifier. Tout ce que je peux vous dire d'officiel, c'est que si ça se fait, ça sera clairement une exclusivité. Que ça sera moi, Icam, Tiffany, et que ça va nous coûter les yeux de la tête. Merci de me rappeler ce détail-là. Voilà. Liste, Ça après je te le dis concerne le pas. spatial. Ça, c'est sûr que ça concerne pas les fruits et Vous êtes bien légumes. sûr de tous avoir été Alors, ici. par contre, c'est clair que ça va Vous être mettez dur de en garder le plus. secret jusqu'à la fin, parce que même si on a la confirmation, on va devoir vous hyper un petit peu jusqu'à la fin et tenir Ah oui, un parce que vous pouvez secret dans faire. son maximum pendant 9 mois. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si ça se fait, vous serez très loin d'être déçu. En fait, dites-vous que là, il Là. n'y a personne qui le sait. Moi, Tiffany et Marco, quoi. Donc, en vrai, il n'y a personne qui le sait. Là, on vous hype un peu parce qu'en vrai, tu vois, c'est un truc, on en parle parce que ça va Ça arriver à fait la fin de trois l'année. jours qu'on n'arrête pas d'en parler et que...
Mais en fait, si vous voulez, on vous dira vraiment pas tous les détails tout de suite parce que il y a tellement, c'est tellement dingue comme projet. Voilà, franchement, j'extrapole pas les choses, mais c'est tellement dingue comme projet qu'il y a tellement de, un peu comme James Webb, il y a tellement de variantes qui pourraient faire tout capoter si toutes les planètes s'alignent pas au même moment que d'ici que ça arrive, d'ici tout ce qu'il faut faire pour y arriver, etc. Il y a tellement de variantes qui peuvent interférer dans tout ça que. Beaucoup, genre, tout est, et tout est en fait, si on veut pas vous dire, c'est pas parce qu'on a, on a envie de garder le secret jusqu'au bout. On aimerait tellement partager ça avec vous et préparer même ça avec vous. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est de vous le dire et de partager tout ça avec vous, de préparer tout ça et que vous faisiez également partie de cette aventure indirectement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça se trouve. Qu'on n'a pas envie de vous hyper à fond et que vous soyez plus déçus que nous. Bon, on va se dire un truc qui calme. Dès que j'ai la réponse officielle de l'organisme, on va l'appeler comme ça. On vous en dira, on vous donnera un petit indice supplémentaire. Voilà. Ouais. Mais pas avant. Je pense que demain, j'aurai déjà la réponse de l'organisme. Donc, si vous êtes là à 5h30, je pourrais peut-être vous la dire. Mais on vous donnera un petit indice supplémentaire qui vous mettra peut-être sur la voie. Parce que, en fait, si demain, j'ai la réponse et que c'est un go de leur part, on va dire, pour que ça se réalise, ça dépend plus que de moi, Hikam et Tiffany. Ça dépend plus de personne d'autre. Ça dépend que de nous trois. Donc là, c'est pas pareil, on maîtrise notre destin si cette personne-là nous dit go. Ouais. Notre destin ne dépend plus de quelqu'un ou d'un organisme, mais dépend de nous-mêmes. Donc là, on peut prendre un peu plus de risques d'en dire plus. Voilà. Bah écoute, on va arrêter là, et puis on se retrouvera sûrement demain pour parler de tout ça, peut-être. Voilà. Bien évidemment, merci à tous, et puis passez une bonne nuit. Ouais. À demain. Bonne soirée. Salut à tous. Salut. Abonnez-vous à la chaîne. Au décollage. Allumage des moteurs. Ah oui, hein. Oh punaise. Ah, Marco qui a mis la tense faible, parfait. Oh punaise. Waouh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attention les yeux pour les épileptiques. Waouh. Pou. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait explosé, arrête. Non, bah c'est... Bah tu parles avec tous les propulseurs en allumage d'un coup. Oh, cette boule de feu. Regardez ça un petit peu. Mais c'est incroyable! C'est. Mais on dirait une météorite qui décolle. C'est impressionnant. C'est incroyable! Oh, j'imaginerais trop avec la vue de Nino là. Imaginons c'est dans son. Regardez-moi ça! Regardez-moi la vitesse! Regardez-moi l'étendue de cette flamme! Mais c'est incroyable! Oh la vache! Yo,